Et salut à tous! Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à l'un des comédiens qui, par sa voix, a contribué à rendre célèbre l'acteur Christopher Judge dans l'univers de Stargate. Je n'aurai pas de répit avant d'avoir vaincu tous les Goa'uld. Avant de parler de Christopher, replongeons-nous dans son parcours. Thierry commença sa carrière dans les années 1980. Il prêta sa voix à de nombreux acteurs comme Vin Diesel, Paul McGann dans Alien 3 ou encore la bouche de Sauron dans Le Retour du Roi. Mon maître Sauron le Grand vous souhaite la bienvenue. Et qui est-ce, l'héritier d'Isildur? Il faut plus pour faire un roi qu'une épée elfique brisée. Voilà qui met fin à la négociation. Il laissera également son empreinte dans le monde des jeux vidéo, avec des personnages emblématiques comme Dominic Santiago, alias Dom, dans la série Guerre of War, ou encore Dragon Ball Z. Dom ! Dom, où est-ce que tu vas ? Débarrassez d'eux, Marcus! Saute, ok? Vas-y! Je pensais pas que ça finirait comme ça, hein? Hein, Maria? Non! Non! Et comme la plupart des comédiens, il se prêtera aussi à la publicité télé. Attention, Rammstein est de retour. Mutter, le nouvel album de Rammstein. Du gros son, Universal Music. Arrivé à la fin des années 1990, il sera choisi pour interpréter le rôle qui le rendra célèbre auprès de tous les fans de la franchise. Vous avez totalement raison. Thierry, c'est toi qui doubles le fameux Christopher Judge dans la série culte Stargate SG-1 avec le personnage de Teal'c. Tu as aimé doubler ce personnage ? Oh, c'était très rigolo parce que c'est un Jaffa, c'est un gars qui vient d'ailleurs et qui a un phrasé très particulier. Un petit peu, pas snob, mais en tout cas, il parle comme ça. Et oui, en effet, Colonel O'Neill. Et il a sur le front le signe de l'allume-cigare de la Batmobile. Mais ça, c'est autre chose. Il doublera Christopher Judge dans toute la durée de la saga. Un rôle qui lui allait à la perfection, car Thierry aimait beaucoup jouer les personnages atypiques. Il est brûlant. Riak. Il n'y a qu'une solution. Non. Non. Teal'c, je vous demande de réfléchir. C'est son droit de père. Je regrette, mon fils, que ce soit moi qui doive te donner le Goa'uld. Avec une aisance naturelle, il a su trouver cette voix reconnaissable entre mille, qui a forgé le personnage de Christopher. Un pari non loin d'être réussi, car au départ, oui, il fallait aussi additionner un caractère calme, soutenu et à la fois drôle. La trétonine semble avoir de curieux effets secondaires sur ta mémoire. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Oui, tu as oublié que la véritable force du guerrier ne vient pas de son bras, mais de son cœur et de son esprit. Tu as beau avoir un avantage physique sur moi depuis de nombreuses années. Lorsque nous nous sommes affrontés, tu ne m'as jamais vaincu. Tu es un vieillard susceptible. Alors, je te laissais gagner. J'aime mieux ça. Tu es peut-être de mauvaise foi, mais tu es aussi combatif. Durant toute sa carrière, Thierry a été défini comme un modèle de travail et une personnalité attachante. Mais malheureusement, le 1er août 2023,
Thierry nous quitta à l'âge de 62 ans. Christopher ne manquera pas de témoigner son hommage à l'homme qui a contribué à la réussite de sa carrière. Donald Renew, qui interpréta également la voix de Riak dans Stargate SG-1, rendra hommage à Thierry. Comment ça se passe un doublage pour la MGM, enfin, à l'époque ? De la même manière que maintenant, c'était. Sauf que à l'époque, au début de Stargate, ils ne savaient pas que ça allait prendre une ampleur incroyable. Mais on le doublait tranquillement, professionnellement, mais en se disant, on fait une série qui est fantastique, mais sans savoir que ça va devenir culte. Si mon rôle revient, je reviens avec grand plaisir. Thierry doublait mon papa dans Stargate SG-1. Il a toujours été bienveillant avec moi, comme avec tout le monde d'ailleurs. Caché sous sa grosse voix grave, c'était un vrai gentil. Il va nous manquer. Mais également Frédéric Soutrelle, connu pour doubler la voix de Kratos dans God of War. Le plus pratique pour chasser le cerf, c'est d'aller là où habite le cerf. Soyez heureux. Ciao. Et à ce sujet, Fred, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter ? Oui, mon bon Marco, j'ai effectivement une anecdote concernant notre Titi. Il faut savoir que si avec Thierry on n'était pas les plus intimes du monde, je veux dire, il n'a jamais gardé mes mots, mais je n'avais pas les clés de chez lui. On se retrouvait toujours avec plaisir et c'était un garçon qui me faisait hurler de rire. C'est l'un des types les plus drôles que j'ai rencontrés dans mon existence. Et il y a une anecdote assez marrante qu'il m'a racontée. Nous étions au boulevard Exelmans. Il entrait et je sortais, ou le contraire, je ne sais plus, mais il a pris le temps de me raconter une anecdote qui lui était arrivée. Il avait fait ses courses, c'était chez Monoprix, Franprix, où ils font un troisième pour la concurrence, prise unique. Il était dans son supermarché, et il fait ses petites courses, il passe à la caisse. À l'époque, on avait encore droit à des sacs plastiques, et il échange quelques mots avec la caissière, et il met ses affaires dans son sac plastique. Et là, la caissière qui lui dit « Vous doublez ?» Et là, Thierry, moi, c'est lui qui me raconte. Et qui me dit « Oui, alors j'étais un petit peu fier quand même. On me reconnaît dans un magasin. Alors, est-ce que je double ?»« Bah oui, un petit peu. » Et la caissière qui dit « Non, votre sac, vous le doublez ou pas ?» C'est l'un des trucs les plus drôles que j'ai connus, des souvenirs les plus hilarants que j'ai de Thierry Mercier. Voilà. Parti beaucoup trop tôt, Thierry laissera un grand manque à la profession et au public français. Sa voix, son talent et sa bonne humeur resteront à jamais comme un héritage fort de toute une génération.